Eh bien, salut tout le monde, c'est Ezor. Donc, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une tuerie en Coliseum. Ça faisait 2-3 jours que j'en avais pas fait. Je voulais vous en reproposer. Hein. Et cette fois-ci, je crois que ça va être vraiment serré, mais un petit peu serré quand même, parce qu'il y a un adversaire en face qui est assez fort. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, je présente un petit peu vite fait avant l'équipe. Donc, il y a une Krat niveau 199, 3394 en vie. Au niveau des résistances, 17, 11, 12, 12, 11, 11 et 10 PA, 5 PM. Alors attendez, juste, je vais baisser un peu la musique parce qu'elle est un petit peu forte. Voilà. Ensuite, il y a un SRAM niveau 171, 2500, 600 vie, 10 PA, 5 PM, je crois aussi, ou 9 PM, 9 PA, 10 PA ou 9 PA. Au niveau des résistances, il a 10, moins 7, 14, 17 et 18. Ensuite, il y a Faiz, niveau 136, SRAM niveau 136, donc 2278 en vie, 12 PA, 6 PM. Donc ça risque d'être très serré. J'espère que ça va être serré, hein, parce que si on se démonter en 5 minutes, ça aura aucun intérêt. Vraiment que si on est, comment dire, si vraiment c'est serré, et que c'est vraiment un combat de fou, je le mettrai même si je perds, hein, ça me dérange pas. Mais bon, c'est juste pour mettre un Coliseum où je perds, je vois pas l'intérêt. Ça, juste pour dire, bon, bah on se fait démonter, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir à gérer. Ah, pas de CC, tant pis, c'est pas grave. Bon, c'est parti. Alors, là c'est au tour du SRAM, niveau 136 de jouer, qui joue déjà. Ah, je vais mettre aussi le panneau. J'ai du mal hein, aujourd'hui. Donc cette vidéo je l'ai préenregistrée il y a déjà pas mal de temps, parce que quand j'ai le week-end j'enregistre un maximum, comme ça au moins je peux vous faire des vidéos la semaine quand j'ai pas le temps, quand j'ai les cours. Donc voilà. Bon là, ah d'accord, il y a deux yop avec moi. Bon bah c'est pas mal, comme ça en plus je suis boosté, donc c'est parfait. Je me reçois en plus des dommages, 40 dommages pendant 4 tours, donc ça c'est parfait, en plus des dommages de Furia. C'est parfait. Ouais, il se cale ici. Et après, par contre, je ne sais pas comment il va se passer. Moi, je ne sais pas du tout où je vais me mettre. Je n'ai aucune idée. Et je viens d'être. Je suis bientôt à 14 000 abonnés. Bon, merci à vous. Ça monte vraiment très très vite. Donc voilà, vraiment merci aux nouveaux 1000 abonnés des 13 000. Donc vraiment merci à vous d'avoir apporté confiance à ma chaîne et de me suivre depuis un certain temps. Voilà, ensuite pour vous dire aussi que pour ma team, je fais une petite modification, on va dire un petit défi, mais ça je vous en parlerai quand j'aurai mon ordinateur, enfin j'espère, parce que j'ai pas envie que ça fasse trop long, mais d'ici là j'essaierai de vous faire des vidéos un petit peu pour changer, mais j'ai pas envie de vous montrer ma team et je vais voir comment je me débrouille, parce que j'aimerais vous montrer mes 8 personnages en bonne qualité avec ce nouveau système que j'ai mis sur ma team. Donc voilà, je vais voir comment je me débrouille, j'espère que ça va pas mettre trop de temps, je l'espère. Bon ben là je vais essayer de trouver le SRAM, je ne sais pas où il va se mettre, je pense qu'il va jouer, il est agilité, non je pense qu'il doit être force, piège de masse, voilà. Donc là il est là, je mets mon doigt là, il reste quoi, 4 PM, piège de masse, pièce de masse, pièce de masse, je vais faire un petit appui, voilà, comme ça je me prends pas de dommages. Ensuite, bullish. Voilà. Et encore un petit coup de bullish. Et je me cale derrière mon chauffeur. Voilà. Donc, ouf, ça va, c'est parfait, nickel. Ah, il a contourné. Il est peut-être là, c'est pas sûr. Mais ah non, mais qu'est-ce que je dis, mon. J'ai même pas vu le SRAM, il était en mode visible. J'étais tellement concentré dans le sens qu'il était visible que. Ouais, non, désolé. Je me suis trompé. Bon, là c'est au tour du Yop niveau 146 de jouer. On va voir un petit peu si. Comment il va se débrouiller. C'est mieux qu'il fasse bon parce que sinon il va se prendre tous les pièges. Je vais lui dire. Fais gaffe au piège. Il y en a au taquet, je pense qu'il a dû les mettre vert ici, je pense. S'il y avait un Eka Flip avec Odora, ça aurait été parfait parce que le SRAM, il aurait été en mauvaise condition. Donc voilà, super, le double.
il est bloqué avec le chauffeur, donc ça c'est parfait, heureusement, parce que le shuriken double c'est pas forcément top. Et par contre je sais pas pourquoi le Yop il reste là, ce serait bien qu'il puisse parce que là la Yopette niveau 186 se fait un peu démonter. Et la Krat a énormément de points de vie, enfin points de vie énormément, bon, pas non plus, c'est pas non plus l'extase, mais par contre elle a énormément de résistance grâce à la Dragonade Armure. Donc c'est vrai que la Dragonade Armure offre vraiment une un bonus. En plus non mais j'ai dit que c'était pas là, mais elle a quand même cru que, enfin bon c'est pas grave. Bon, la Yopette a lancé Pédiop, elle a eu personne, bon c'est pas grave. Là ça va être au tour du SRAM de jouer. Ok. Il reste plus que 1500 points de vie au SRAM, à la Yopette pardon. Et j'aurais dû faire un coup de marteau à la place, mais bon c'est pas bien grave. Ouf, 441, elle est pas mal celle-là. Et après ça va être au tour de la Yopette de jouer, qui va je pense taper un petit coup. Ah mais si, mais il était... Oh là là, mais qu'est-ce que je dis, mais il y a deux SRAM, c'est vrai. Oh là là là, il y a deux SRAM, donc forcément je pensais c'est ce que j'avais vu. Il était bien en mode invisible, c'est ça. Bon, ça serait bien que là le Yop rentre en action. Ça serait cool, il a agilité. Allez, essaye d'attaquer dans le... Tu testes. Mais fais quelque chose, hein. S'il te plaît. Ah, dommage. Bon, bah, je pense qu'il devait être dans cette zone. Là, c'est au tour du crack. Il va se placer ici, peut-être. Ah non. Flèche destructrice, moins 221. Et moins 302 en coup critique. Et elle vient de lui retirer un PM. Bon, c'est pas grave. Là, c'est votre tour de la Yopette de jouer. Moins 1246 CP carry. Pouh ! Moins 819. Ah là, elle a vraiment géré du poney. Ah là, franchement, bravo à elle. Bon, bah là, je vais me faire la Krat. Malheureusement, Furia, c'était plus qu'un tour. Mais bon, c'est pas grave. Ah, pas de CC, c'est pas grave. Il lui reste plus que 2117 points de vie. C'est faisable, c'est faisable. Il y a moyen, il y a vraiment moyen de gérer. Si on joue bien. Là, ça va être au tour du SRAM niveau 136. Qui joue Poison Insidieux. Donc là, pour le moment, il attaque pas, donc tant mieux. Full Krat. Full Krat, ouais. Faut vraiment se baser sur le Krat maximum. Ah, il faut que vraiment ils viennent pour démonter un peu plus possible la Krat. Donner 6 PA. Allez, go, c'est parti. 5 PA, pardon. Allez, un coup de Vita à la Yopette. Bien joué. Moins 330 à épée du jugement sur la Krat niveau 199. Là, c'est au tour, c'est à son tour. Donc là, qui me fait 3 coups critiques d'Aghir. Là, c'est à son tour à la Yopette de jouer. Je ferai masque du psychopathe. Et je pense qu'on va pouvoir la finir ce tour-ci. Il y a possibilité. Là, je pense qu'elle va faire bon. Je pense, hein. C'est pas sûr. Voilà, super. Donc là... Moins 1079. Et là il y a moyen que je la termine. Ça c'est parfait. Là ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer masque du Furia sur le Yop. Voilà, il me reste 11 PA. C'est parfait, je peux terminer la Krat. Super. Donc là ce que je fais c'est que je fais rien. Je vais juste donner 200 points de vie en plus. Voilà, à la Yopette. Comme ça elle sera toujours protégée. Donc voilà, j'ai bien fait de garder d'enregistrer parce que au moins ça a été un beau combat et au moins on est sûr, voilà, comme c'est une fois de plus pour prouver que même des fois quand il y a un très haut level, par exemple là niveau 199,
ou un niveau même avec lui 180, de ne pas lâcher. C'est pas pour ça que vous allez perdre, bien au contraire, comme vous l'avez pu le voir, ça peut se retourner la situation en notre faveur, là, et tant mieux. Par contre, il va falloir qu'il se décale, ah super. Là, il se donne 724 vitalité, donc c'est parfait. En plus, comme ça, elle va tuer le chauffeur, et moi, je vais pouvoir aller y aller au corps à corps. Ah non, par contre, ça, c'est pas cool. Ah mais il aurait plus que 3 PA. Forcément, elle n'a pas le choix. Ouais bon, moi j'ai pas le choix, hein. Je crois que de toute façon, je vais être obligé de Furia le chauffeur pour ensuite appui. Ouais, je me suis mal pris. C'est pas comme ça que je voulais m'y prendre. J'ai mal joué. Non, là j'ai merdé. Franchement, j'ai vraiment merdé là. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, j'ai mal joué, mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Bon, voilà, comment perdre un tour bêtement. Non, c'est pas ce que je voulais faire, j'aurais dû faire... Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, je le termine. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment mal joué, ça peut arriver. Je me suis un peu mal pris. Coup critique. Oh, c'est super, parfait. Ce qui m'a un peu sauvé. Et là, on va pouvoir le finir, heureusement. Ouais, je suis vraiment désolé d'avoir mal joué sur ce coup-ci. J'aurais dû faire un coup de marteau. J'ai complètement zappé que Furia, ça marchait pas sur les alliés. Je suis désolé. Moment d'inattention. Donc là, Yuyop, Runrox va pouvoir donc putsch sur moi. Donc là, la Yopette va pouvoir, je pense, terminer phase. Parce que déjà qu'elle fait du moins 1000. À l'épée carry, donc là il y a 100 fois moyen qu'elle puisse le terminer. 442 à pression et moins 476 à concentration et moins 494. Oh là là, mais elle les a démontés. Oh, franchement, ça c'est Yop de complète. Ça. Oh là là, franchement, superbe Coliseum. 5 7 d'XP pour la Yopette. Franchement, GG. Vraiment bravo à vous deux, Rotuck et Runrox. Donc ouais, bon, j'espère que ce Coliseum vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer et à commenter la vidéo. Franchement, j'aurais pas pensé qu'on puisse gérer ce combat. Mais bon, voilà, vous voyez que même quand c'est on va dire un peu serré. Quand vous voyez qu'il y a un combat qui est, il y a des personnages qui sont beaucoup trop haut level, ben ne lâchez rien, ça, vous pouvez toujours gagner, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ben pour ma part, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Donc j'ai oublié de vous dire que sur la chaîne de la Hazard Alliance, nous avons enfin sorti notre promo. Ça fait depuis pas mal de temps qu'on travaille dessus, donc voilà, c'est vous pour pouvoir enfin voir notre promo. Ben, cliquez sur l'écran avec votre souris et vous accéderez directement à la vidéo. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour pouvoir nous faire connaître et un petit peu bien sûr à vous abonner à ma chaîne secondaire qui est donc la Hazard Alliance. Donc on se retrouve comme je vous le dis demain pour une prochaine vidéo. Merci encore à vous, ciao ciao.